petits amis d'enfance. On vivait de bien jolies vacances. Paris, 时尚与艺术之都. Paris, haute couture, 高定时装的发源地. Paris, 一座绝对不会让女人失望的城市。 在巴黎皇宫花园里有这样一位传奇人物，他可以跨界时尚、古董、艺术领域。苏富比邀请他开办了时装艺术品专场拍卖会，好莱坞明星到巴黎都会亲自登门拜访，为自己寻找一件独一无二的艺术品。 他在书中那句"没有小黑裙的女人就没有未来"，更是触动了女人心底对美和经典的渴望。今天 Paris Sky 将带您探访这位传奇人物，听他讲述那些时尚、艺术和人之间的故事，感受那些普通人难得一见的高定服装的经典魅力。 站在我身边的这位就是店主，法国著名的时尚教主迪迪埃·吕多先生 ，Monsieur Ludo, bonjour. Bonjour. En 2015, le Sotheby's a organisé sa première fois de vente aux enchères des collections de haute couture. Et quelle est l'importance pour vous et aussi pour Sotheby's de cette organisation ? Et si vous voulez, moi je voulais vendre une partie de ma collection privée de haute couture et j'ai choisi Sotheby's qui m'a choisi aussi parce qu'on s'est bien entendu tous les deux parce que c'est une maison de prestige et je trouve que c'était un écrin qui correspondait très bien à des vêtements de haute couture vintage. Donc j'ai fait un choix de pièces provenant de ma collection privée pour leur première vente de haute couture dans le monde. Alors, pouvez-vous présenter quelques œuvres de cette vente aux enchères ? Oui, si vous voulez, là j'ai le catalogue avec moi. Donc, à la couverture du catalogue était faite avec un détail d'une pièce qui a fait record de prix. C'est une robe de Balenciaga de 1965. Il y a une petite anecdote de cette collection quand vous avez eu cette collection. C'est une robe qui m'a été vendue par une amie de Madame Westveller. Donc c'était intéressant parce qu'elle m'a raconté plein de choses sur Madame Westveller. Et c'est toujours intéressant quand les gens de cette époque-là racontent les anecdotes et les histoires. Ça c'est un détail d'un vêtement de Saint-Laurent. Ça c'est Maggie Roof, Balenciaga, Lanvin. Ça, c'est Yves Saint-Laurent avec une broderie de la maison Le Sage. Ça, c'est une très belle robe de Christian Dior de 1957. Chanel, une robe portée par une très grande actrice, Romy Schneider. Christian Dior, des années 50. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de stars qui, elles, allaient dans votre boutique et cherchaient les collections de vintage. Est-ce qu'il y a des stars ou les célébrités que vous pouvez nous citer pour partager les histoires quand ils sélectionnent les vêtements de vintage ? Oui, il y a beaucoup d'actrices américaines où elles aiment beaucoup le vintage. Et on a comme cliente Sharon Stone, on a Julia Roberts, puis souvent Stéphanie Seymour a acheté beaucoup de choses, Demi Moore, Kate Moss, beaucoup, surtout pendant les Fashion Week de la haute couture ou du prêt-à-porter. Et une anecdote qui est assez amusante, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était Reese Witherspoon a acheté une robe, ici une robe Dior des années 50, et elle a gagné l'Oscar. Donc ça lui a porté chance. Et c'était très amusant parce qu'un jour, j'avais mis cette robe dans la vitrine. Les stylistes sont arrivés en me disant « On voudrait acheter cette robe ». Je dis « Ben non, parce que je viens de l'acheter, je la garde pour moi, pour ma collection personnelle ». Ils ont dit « Non, non, c'est pour une actrice américaine et tout ». Ils n'ont pas voulu me dire le nom de l'actrice. J'ai dit « Bon, ben écoutez, si vous voulez ». On a pris rendez-vous avec l'actrice. Elle est arrivée, j'ai signé un papier de confidentialité pour ne pas dire que cette actrice avait acheté la robe ici. Et elle voulait absolument avoir une robe qui n'avait pas été vue. Donc avec une robe vintage, elle était certaine, puisque c'était une robe des années 50, que personne n'avait vu cette robe avant. Et ça lui a porté chance qu'elle a gagné l'Oscar.
Vous êtes l'auteur de ce livre, La Petite Robe Noire. Pouvez-vous nous présenter un peu plus de ce livre ? Oui, si vous voulez, j'ai trouvé qu'il était nécessaire d'écrire un livre sur La Petite Robe Noire, parce que La Petite Robe Noire est un vêtement emblématique, le symbole du chic parisien, le symbole de la haute couture. En plus, c'est un vêtement qui s'adapte à toutes les morphologies. C'est un vêtement magique parce qu'il met en valeur les qualités d'une femme et il gomme ses défauts. Et en plus, il y a beaucoup de références aussi au cinéma. Et donc, j'ai mis dans le livre des choses emblématiques. Vous voyez, Marlène Dietrich croisant les chambres avec sa robe noire. Catherine Deneuve, Marilyn Monroe. Ça, c'est la fameuse une robe Chanel descendant l'escalier mythique de la maison Chanel. Ça, c'est Balenciaga. Donc, et ça, c'est une robe très célèbre que j'ai dans ma collection privée, d'ailleurs. Et c'est une robe qui a été portée par Delphine Seyri dans un film très célèbre l'année dernière à Marienbad. Quelle marque préférez-vous en particulier ? Moi, j'aime ces couturiers-là, mais il y a aussi des marques qui sont moins connues et qui ont fait de très jolies pièces. Donc, je juge plus la pièce que le créateur. Ça, c'est une robe de Saint Laurent. Toute la broderie, c'est la maison Le Sage. C'est entièrement brodé à la main. La griffe de la robe à l'intérieur. Saint-Laurent. Que pensez-vous le rétro fashion, surtout dans les semaines de la mode à Paris ? Ben, si vous voulez, le rétro fashion, ça a toujours existé. Et à chaque saison, on dit « Ah, c'est l'inspiration des années 70, c'est la néo-bourgeoise des années 80 et tout. » Donc, c'est toujours la même chose. Ou alors, le côté gypsy et tout. Donc, tout le monde fait des références à la mode puisqu'il y a eu tellement de choses de créer. C'est normal que tous les créateurs actuels s'en inspirent. Justement, vous avez dit que vintage est la tendance de la mode du 21e siècle. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, je trouve que maintenant, le vintage est devenu comme une griffe, comme un label. C'est-à-dire, une femme, dans sa garde-robe, maintenant, va avoir des manteaux Prada, elle va avoir un tailleur Chanel, et elle aura des vêtements vintage aussi, qu'elle va mélanger. Il faut, quand on met un vêtement vintage haute couture, on met le vêtement et c'est la seule chose vintage qu'il faut avoir sur soi. Et il faut le porter avec des chaussures contemporaines, avec un sac moderne et des bijoux modernes. C'est ça qui est très moderne et qui est complètement 21e siècle. Une liste de la mode et aussi de la haute couture surtout. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de choisir pour moi, par exemple ? Alors, attendez, on va regarder. De Chanel. Mais ce qui est amusant aussi, c'est par exemple de prendre une veste de Chanel, comme ça, ne pas porter la jupe. Mm-hmm. Alors vous voyez, en haut, il y a la griffe, comme ça, et derrière, il y a un numéro. C'est comme un bijou chez Cartier. Donc c'est numéroté, vous appelez chez Chanel, et ils vont vous dire quelle année ça a été fait. Oui, alors une veste Chanel, on ne ferme jamais ni le premier ni le dernier bouton, comme les gilets d'homme. C'est un principe de mademoiselle Chanel. Vous fermez celui-là, celui-là et celui-là, et pas le premier ni le dernier. Et vous voyez, par exemple, c'était un principe chez Chanel, toutes les boutonnières marchent, c'est pas du trompe-l'œil. Vous voyez, elles sont toutes faites. Et à l'intérieur, vous avez bien sûr la chaîne dans le bas de la veste. Ça, c'est Yves Saint Laurent, ça, c'est Balmain. Ça, c'est très beau, c'est Balenciaga. C'est très joli celui-là. C'est toute une résille qui est brodée de tulle, et puis c'est tout le dessous est en crêpe vert. C'est super fragile. Oui, c'est vrai. Faut faire attention en rentrant dedans. Ah, mais la taille est parfaite! Les épaules, tout. Elle est faite pour vous. Oh, merci, c'est gentil. Ben, on va regarder un peu plus en détail la robe. Bon, c'est un travail incroyable. Il y a au moins 300 heures de travail sur la robe. Elle est belle, c'est Givenchy. Des années 70. Elle est rouge.
Elle est rouge. Et... Ah, il y a quand même une couleur rouge dans la haute couture. Quelle bonne chance. Ça très fait une très belle robe du soir créée par monsieur Hubert de Givenchy en 1970 dans un très beau tissu, une faille de soie rouge avec une ceinture de satin, le volant. C'est typique des années 70. C'est une robe que la duchesse de Windsor aurait pu porter. La taille idéale parce que la longueur est parfaite. Bon, il ne faudrait pas des chaussures noires, il faudrait des chaussures rouges, mais c'est bien. Pourquoi il ne faut pas les chaussures noires? Parce que c'est dommage, si vous voulez. Je trouve que quand la chaussure sort d'une robe du soir longue, il faut qu'elle soit ou d'une couleur complètement différente ou de la couleur de la robe. Et quelquefois, si vous voulez, à l'époque, les femmes demandaient à la maison de couture un petit morceau de tissu et faisaient faire les chaussures assorties à la robe par leur bottier. Si bien quand la femme avançait, c'était très joli avec la robe parce que c'était assorti. 感谢鸡鸡绿豆先生带我们走进高端定制女装世界，感受这些鲜为人知的高定服装的种种神秘，认识品牌创始人的成名之作，了解那些曾经只属于贵族、名媛和明星的最爱，那些经久不衰的服装经典，那些融服装和时尚于一体的艺术杰作，以及每件衣服背后的精美故事，这些都在告诉我们Classic. Does it anytime, anywhere? Ce poème, cette chanson dans mon cœur vient de glisser.